Dans cette vidéo, je vais vous résumer mes étapes et mes hébergements sur le Camino del Norte. Après une nuit au refuge Saint-Jacques de Bayonne, avec deux autres pèlerins dans le dortoir, j'ai testé mes boules qui est dès la première nuit. Aujourd'hui, j'ai une petite étape de 19 km de Bayonne à Guétari. Après la visite à la cathédrale, le départ le long d'une rivière, la Nive. On traverse pendant plusieurs heures la banlieue de Bayonne, mais on finit par arriver à Bidart. Et là, on est au bord de l'océan, le soleil, les vagues, c'est super. Grand beau temps aujourd'hui, 26 km de Guétari à Irun, en passant par le chemin du littoral jusque Saint-Jean-de-Luz. Puis après Saint-Jean-de-Luz, le chemin étant interdit à cause des éboulements de falaises, un petit chemin intérieur dans le Pays Basque, jusqu'à Hendaye quelque part derrière moi. Et ensuite je traverse la frontière et je suis en Espagne, à Irun par là. Ce soir à Irun, je dors au couvent des Capucins. Et demain, je monte tout en haut là-haut. Je viens de traverser la Bidasoa sur le pont Saint-Jacques. Et derrière moi, c'est la France. Y ahora estoy en España. Aujourd'hui, 26 km de Irun à Saint-Sébastien. Ce matin, ça monte, mais ça vaut le coup, il y a une belle vue. Et là, il me reste encore un petit sommet. Là, je suis redescendu au niveau de la mer. Je vais traverser et j'ai bien peur qu'en face, je doive à nouveau remonter. En croisière, je suis bien en pèlerinage, mais pour traverser à Pasaya, il faut prendre le bateau.
Ça y est, je suis à Saint-Sébastien, super station balnéaire. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de monde. Ce soir, je dors à l'auberge de jeunesse. Finalement, la nuit a été calme à l'auberge de jeunesse et j'ai bien dormi. Aujourd'hui, petite étape de 22 km entre chemin littoral et petite route champêtre jusque Zarautz, là derrière moi. Grand beau temps aujourd'hui, une belle étape de 26 km. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend et ça monte encore. Et demain, ce sera pire. Ce soir, je vais à Izarbide, près de Deba. Bon, là, je triche. Je prends l'ascenseur pour descendre à Deba parce que les escaliers... Grosse montée ce matin, on se croirait dans les Vosges. Des nuages pour la première fois depuis le départ. Une étape de 26 km environ. Et ce soir, si tout va bien, je dors dans un monastère. Ça y est, je dors ce soir au monastère et le repas, c'est après les vêpres. Une étape tranquille, je commence à être habitué aux montées et aux descentes, de Ziortsa à Pozueta, en passant par Guernica, 24 km. On ne se lasse pas des panoramas, et là, derrière moi, il y a l'auberge.
J'attaque la deuxième semaine. Aujourd'hui, 25 km jusque Bilbao. Et je me dépêche parce que devant moi, il y a des nuages et ils annoncent de la pluie. Alors j'en profite tant qu'il fait beau encore. Deux heures de pluie, je suis déjà tout mouillé et je dois encore monter là-haut dans les nuages avant de redescendre sur Bilbao. Mais le moral est bon. Une petite éclaircie pour l'arrivée sur Bilbao, là derrière moi. C'est parti, nouveau moyen de transport. Je prends le pont à nacelles de Portugalete pour traverser la rivière. Et là, maintenant, je prends le tapis roulant. À la demande de certaines auditrices, nous interrompons ce programme pour diffusion du bulletin météo. Temps ensoleillé ce matin, se couvrant progressivement. Probable pluie cet après-midi. Vent faible se renforçant aux abords de la côte. Température de 10 degrés au départ de Bilbao, s'élevant à 14 degrés l'après-midi. Temps pluvieux pour les jours prochains. Claqué, j'ai mal partout, pas loin de 9 heures de marche et 35 km pour arriver à l'arrêt d'eau là derrière moi. Et ce soir, je dors au couvent des Sœurs de la Trinité. Encore un petit tour en bateau pour traverser une baie. Aujourd'hui, vous écoutez le chant des Sœurs de la Trinité, enregistré hier soir au Vêpres. Bon là, ce matin, j'y vais tranquille, j'ai un début de tendinite. Je viens d'acheter un peu de crème à la pharmacie. Là, je prends un raccourci qui devrait me faire gagner 5 km
Donc aujourd'hui, si tout va bien, 25 km jusque Guémès. Bon, j'ai oublié de le dire, mais ça se voit peut-être, le temps est à la pluie. Dernière montée pour arriver à mon hébergement de ce soir, la Cabana del Abuelo Peuto, l'auberge la plus mythique du Camino del Norte. Le soleil est revenu, le vent est tombé, les températures remontent. 15 km aujourd'hui jusqu'à Saint-Andère. Le moral est en nette amélioration, même si je sens toujours un peu ma tendinite. Et là, le chemin, c'est sur la plage. Eh bien, ça devient une habitude, encore un petit tour en bateau pour arriver à Saint-Andère. Aujourd'hui, pour essayer de soulager ma tendinite à la cheville, une petite étape de 14 km jusque Boho de Piélagos. Et pas grand chose à montrer, parce que l'essentiel de l'étape, c'était sortir de l'agglomération de Santander. Ce matin, pour traverser la rivière, je prends le train sur 2 km. Je sais, c'est pas très catholique, mais le seul pont sur la rivière est un pont ferroviaire et il est interdit de le prendre à pied. Bien sûr, il y a un autre itinéraire avec un pion, un autre pont, mais c'est 5 km en plus. Me voilà arrivé à Santillana del Mar. Il n'y a pas la mer, mais c'est un très joli village. Ce soir, je suis hébergé dans un ancien couvent, magnifiquement aménagé pour les pèlerins. Ce matin, départ tardif après la visite de la collégiale et du cloître de Santillana del Mar pour une petite étape de 11 km jusqu'à Cobreces. Je prends soin de ma cheville.
23 km jusque Saint-Vincent de la Barquera. Tout va bien. Ce matin, petite route de campagne par temps couvert. Cet après-midi, temps ensoleillé et sentier du littoral. 26 km jusque Pin-du-Hélès. Belle journée! Il y avait bien quelques pèlerins hier soir à l'auberge. Pourtant, cela fait 3 jours que je marche sur le chemin sans voir un pèlerin de la journée. Je ne sais pas où ils sont passés. Je me recoiffe pour la vidéo. Belle journée aujourd'hui. 33 km jusque Pinérès. Je vais être content d'arriver. Message spécial pour ma chérie. Je t'aime et bientôt je suis de retour à la maison. Ce matin, départ sous la pluie. km jusque d'Uessos, content d'être arrivé.
Et voilà, c'est parti pour ma dernière étape. 26 km jusque Villa Viciosa. On va entendre le bruit de l'autoroute. Et voilà. Ça y est, je suis arrivé à Villa Viciosa et je prends le bus pour Rironne dans quelques minutes. Et demain, l'avion, je rentre à la maison.